il y a 2 mois. Il faut s'imaginer que tout ça était dans la glace, cette partie-là et cette partie-là. Donc, en 2 mois, ça a fondu en autant. Ouais, il y a 4,10 m de fonte. Les glaciers des Alpes fondent, tous. Ça, ce n'est une nouvelle pour personne. Ce dont on a moins conscience, c'est de la vitesse à laquelle ils disparaissent en ce moment. Une glaciologue nous a dit « Venez avec moi ». Cette glaciologue, c'est Delphine Six. Où est-ce que tu nous emmènes, Delphine ? Alors, on va aller sur la mer de glace aujourd'hui, le plus grand glacier français. La surface de glace, elle était là il y a 20 jours. Il y a 20 jours, on se serait tenu là avec nos pieds. Ouais, exactement. 104. Donc on a perdu 1 mètre de glace en 20 jours, ce qui fait à peu près entre 4 et 5 cm de fonte journalière. C'est un rythme important, ça. Tu sais, cet été, quand il y avait les périodes de canicule, on a dépassé les 10 cm par jour. 10 cm par jour, c'est absolument énorme. Certains pourraient se dire, rien d'alarmant, l'hiver arrive. Il va neiger, la glace va se reformer. Alors allons voir les jalons posés l'année précédente. Cette balise, tu l'avais posée quand ? Il y a 1 an. Et le principe, tu vois, c'était que les 5 jalons que tu vois là, ils étaient tous sous la glace. Ça paraît fou. Quasiment 10 mètres d'ablation. Aujourd'hui, on n'est plus à se demander si les glaciers vont disparaître ou pas. Les glaciers vont disparaître. La mer de glace va être amenée à disparaître d'ici la fin du siècle. On pourra peut-être limiter avec nos comportements la fonte des glaciers, mais revenir en... 2015. Niveau du glacier en 2015. Là où on se trouve actuellement, il y avait de la glace. On pouvait marcher sur le glacier ici. On arrivait, les échelles arrivaient là, et effectivement, on arrivait sur le glacier. Ça paraît incroyable qu'en 5 ans, on ait perdu autant de hauteur de glacier. Ouais, il y a un côté triste. Cette fonte, est-ce que ce sont les êtres humains qui sont responsables ? Alors si on regarde effectivement ce qui se passe depuis 30 ans, il n'y a plus de doute. Bien sûr que la Terre, elle a connu des époques plus ou moins englacées. Par exemple, il y a 1000 ans, il y avait peut-être moins de glace encore qu'aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que l'augmentation de la fonte que l'on observe depuis les années 2000, hein, 2003, c'est vraiment lié aux activités humaines. Finalement, est-ce qu'on peut pas se dire il suffit d'attendre la prochaine ère glaciaire pour que le problème soit réglé? Ça sert à rien de se stresser. Si les glaciers disparaissent maintenant, c'est pas grave, ils reviendront à une prochaine ère. Alors ils reviendront peut-être dans 10 000 ans, sauf qu'avec ce que l'on modifie aujourd'hui, on va modifier toute la machine climatique. Si je comprends bien ce que tu me dis, non seulement les activités humaines accélèrent la fonte des glaciers, mais on peut aller jusqu'à perturber la succession des aires glaciaires. Mais oui, c'est exactement ça.